brocante. Je déteste la nostalgie. Je vous dis ça parce que j'étais à une brocante la semaine dernière, pas de mon plein gré, hein. J'avais suivi ma mère et ma sœur qui voulaient acheter des merdes. des soucoupes ébréchées, des cuillères tordues, des vieux napperons. Parce que c'est vintage. Non, c'est moche. Des gens les ont jetés. Et ben moi-même, je me suis arrêté devant un stand parce que c'était des jouets des années 80, de mon enfance. Il y avait des vieux Transformers, des vieilles figurines Star Wars, des Playmobil. Et le vendeur, un type sympa, s'approche et me dit « Ah, ça a l'air de vous rappeler de bons souvenirs, ça donne envie. » Et moi j'ai dit « Bah, ça donne envie de crever. » J'ai dit « Excusez-moi monsieur, mais enfin, à l'âge que j'ai, si j'ai envie de m'acheter un jouet, je m'achète un gode-ceinture. Un vibro, des poppers, enfin un truc d'adulte quoi. » Bon, il a pas insisté, hein, mais... Il est parti arnaquer un quarantenaire en Stan Smith. Avec ses trois gosses, Jules, Balthazar et Catadioptre. Non mais je comprends qu'on soit nostalgique, on l'est tous, bien sûr. Moi-même, d'ailleurs, j'ai beaucoup de souvenirs dans ce quartier. Hein. Ouais. En fait, moi, j'ai fait tout mon collège et mon lycée à Jules Ferry, de l'autre côté de la place. Ouais. Ah, c'est fou, hein. Ah. Vous vous rendez compte, hein? Si on m'avait dit qu'un jour je jouerais ici, hein, quel parcours! Ah non, en 25 ans, j'ai fait 800 mètres. C'est pas. Non, mais c'est vrai que moi, je suis pas vraiment nostalgique parce que j'ai pas eu une enfance insouciante. Heureuse, oui, mais pas. Bon, déjà, j'étais asthmatique. Asthmatique, tout le monde voit. Pour ceux qui voient pas, c'est comme allergique au gluten, sauf que là, c'est vrai. De toute façon, tu veux dire, c'est nul comme maladie, hein, asthmatique. C'est nul comme maladie, je vous le déconseille. Hein. T'étouffes, mais t'en meurs pas. Mais non, je veux dire, c'est pas la mucoviscidose, tu vois. Bah, excuse-moi, tu dis que ton gosse a la mucoviscidose, les gens ils font « Oh, ça doit être dur !» Tu dis que ton gosse a de l'asthme, les gens ils font « Oh, ça doit être chiant !» Oui, oui, ah oui, c'est chiant, je vous le confirme. Pour vous dire à quel point c'était chiant, moi je faisais tous mes étés, toutes mes vacances d'été, je les passais en cure thermale, à la Bourboule. Ouais, tous mes potes, ils partaient faire du surf à Andernos, Seignos. Moi, c'était juste Cragnos. C'est ma grand-mère qui nous emmenait là-bas, ma sœur, mon frère et moi. Eux, ils avaient pas d'asthme, hein, ils avaient juste pas de bol. Non, mais elle était super, ma grand-mère, elle était super. Mais elle avait un seul objectif dans la vie, ma grand-mère, c'était de nous rendre obèses. Oui, ça a très bien marché, hein, nous appeler Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Ouais, j'étais petit, gros et myope aussi. Ouais, le combo, avec un pull sans manche. Là, c'est... Alors, conséquence, c'est vrai que jamais personne m'a proposé de bonbons dans la rue. Hein, ça, ouais, j'avais un peu le totem d'immunité pédophile, moi. C'était... Ouais. Elle est bien que ça ait ses avantages. Hein. Non, mais vraiment, j'en veux pas à ma grand-mère. Je m'entendais très bien avec elle. D'ailleurs, elle vivait chez nous et je dormais dans la même chambre que ma grand-mère. Ouais. Au début, bien sûr. Hein, parce qu'après, il fallait que je me branle. Ouais. Elle aussi, d'ailleurs. Bon, bah. Je crois qu'on se connaît un petit peu mieux. Bienvenue dans Inflammable. Ouais, je trouvais ça important que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Parce que souvent, les gens se font des mauvaises idées sur moi. Hein, et, par exemple, ils pensent que je suis dépressif. Oh, pas du tout.
Alors, je suis lucide. Après, c'est vrai que du coup, je suis pas le mec le plus optimiste du monde. En même temps, ça se voit, hein, je suis pas habillé en désigual. Désigual, tout le monde voit. Les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. En fait, c'est dur pour les gens comme moi en ce moment parce qu'il y a une espèce de dictature du bonheur de nos jours. Vous savez, il faut être heureux, tout le temps, toutes circonstances. C'est comme si plus les choses allaient mal, plus il fallait que ce soit nous la variable d'ajustement. On te parle que de trucs genre, vous savez, développement personnel, de t'aimer toi-même, de coach de vie. Moi, je te le fais, coach de vie. Inspirer, expirer, voilà. C'est cool, hein. Ouais. T'es en vie, tu me dois 200 balles, merci. Ouais. Et en fait, pour moi, le symbole de tout ça, de ce repli sur soi, c'est les émissions de cuisine. Parce que, attention, j'adore bouffer, hein, mais trop, c'est trop. Top Chef, Master Chef, mon voisin fait des tortillas, c'est bon, quoi, ça va. Non, parce que ça dit toujours la même chose, en fait. Ça dit, oubliez ce qui se passe dehors, hein. Restez chez vous, mettez des sacs de sable et faites des bons petits plats pour ceux que vous aimez. Hein. Non, c'est vrai, c'est bien. La centrale nucléaire à côté de chez toi vient de péter, fais des bons petits plats. Ton usine va être délocalisée, fais des bons petits plats. Ton mari te tape dessus, fais des bons petits plats. Bon, mange-la avec une paille, mais fais des bons petits plats. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, dans 50 ans, il n'y aura plus rien à bouffer sur Terre, mais on saura tous faire des verrines. Attention, je juge pas. Moi aussi, ça m'arrive de céder aux sirènes de la consommation, du cocooning. L'autre fois, j'ai vu une pub pour un crossover. Ça m'a donné envie. Hein. Vous savez les pubs avec un mec urbain mais buriné? Genre urburiné, quoi. Vous savez, dans sa voiture, il fait « Ma femme voulait une berline, les enfants un monospace, j'ai pris un crossover. » Mais t'es triplement un enculé, alors. Mais il n'y a rien de pire qu'un crossover, il n'y a rien de plus con. C'est un 4x4 conçu pour la ville, ça n'a aucun sens. C'est quoi, il y a des alligators qui traversent au feu rouge? Il y a des crues diluviennes entre Remur et Sébastopol? C'est quoi l'idée, en fait? À Paris, on roule en trottinette. Hein? Il y a un indice quand même. On n'a pas besoin de grosses voitures énormes. En plus, ça pollue, ça balance des microparticules dans tous les sens. Ah non, tu te fais ton petit génocide tranquillou avec un crossover. Hein? C'est pour ça que dans les pubs, à mon avis, ils roulent toujours dans des paysages déserts. Parce que tout le monde est mort. Et alors, ils sont malins parce qu'en plus, ils leur donnent des noms hyper exotiques pour te rassurer, tu vois, hyper écologiques. Genre Quashquai, Kadjar, Cherokee même. Ouais, ce qui est cohérent, un nom de peuple exterminé. Moi, ouais, je pense qu'il devrait y aller à fond, tu vois, genre Nissan Rohingya, Renault Tutsi. Pourquoi pas? Mais vous savez que rien ne les arrête, les constructeurs automobiles. Hein. J'ai vu quand même que Volkswagen avait testé ses moteurs truqués sur des singes. Des vrais singes. Ils ont attaché des macaques dans une pièce, même ils les ont enchaînés, et ils leur ont balancé des gaz d'échappement dans la gueule. Et ils ont dit, comme les singes étaient un petit peu énervés, on leur mettait des dessins animés pour les calmer. C'est pas des méthodes de pédophile, ça, franchement. Ça, il y a un côté, oui, je viole des gosses, mais il y a des glaces à la vanille. Ouais, après, je suis d'accord avec vous, le scandale Volkswagen, hein, on a peut-être fait beaucoup. Franchement, où est la surprise? Des Allemands, des gaz toxiques. Voilà, je crois qu'on a mieux cerné mon type d'humour. C'est important, non, parce que c'est vrai que des fois les gens, sont blessés par mon type d'humour, hein, surtout sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple concret. Il n'y a pas très longtemps, je revenais d'un festival, j'étais fatigué, on avait beaucoup bossé avec les potes, et il y avait beaucoup d'enfants dans mon TGV du retour. Beaucoup d'enfants qui faisaient beaucoup de bruit. Moi, j'étais vraiment crevé. Alors, j'ai fait cette blague tout de suite sur Facebook, j'ai dit « Mon wagon est plein d'enfants, où sont les terroristes quand on a besoin d'eux ?» Si, c'est marrant. J'ai eu 400 likes, c'est marrant.
J'ai eu 400 likes, mais ensuite Facebook a suspendu mon compte. Voilà où on en est. Attendez, on est d'accord que c'est du second degré ce que je raconte. Je veux dire, je suis dans le même wagon que les gosses. Hein ? Et on le sait, les terroristes visent mal et les enfants bougent beaucoup. C'est terrible de devoir expliquer en permanence que c'est pour rire. J'ai fait une autre blague aussi qui a été mal prise il n'y a pas très longtemps, après la mort de Charles Aznavour. Bon, le jour de la mort de Charles Aznavour. Non mais j'ai dit évidemment c'est triste, mais enfin tout le monde disait oui, oh là là, quelle perte, ça va, 94 ans, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein, et puis il a une belle vie quand même, tu vois. Et j'ai dit que je peux pas m'empêcher de me rappeler que c'était un personnage controversé, Charles Aznavour. Il a eu beaucoup de problèmes avec les impôts. Hein. Et je peux pas m'empêcher de remarquer qu'il meurt juste avant le prélèvement à la source. Et ben je me suis fait menacer de mort. Menacer de mort sur Instagram. Bon, deux jours après, Charlie Hebdo a fait exactement la même blague. Du coup, maintenant, c'est leur problème. Hein, hein. Laissons ça aux professionnels. Mais ça part très très vite sur les réseaux sociaux. Même les marques, des fois, déclenchent des polémiques. Hein. Il y avait la polémique H&M, vous vous rappelez ? Polémique H&M, vous savez, c'était ce catalogue H&M avec un petit garçon noir qui avait un sweatshirt vert avec marqué dessus « Coolest monkey in the jungle ». Le singe le plus cool de la forêt. Bon alors déjà les gens de Volkswagen ils ont fait on n'a pas testé sur lui Helmut va chercher la polo ce qui s'est passé c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est raciste et je comprends oui c'était maladroit le singe le plus cool de la forêt mais je pense pas que c'était une question de racisme honnêtement je pense que c'était plutôt une question d'harmonisation des couleurs. Mais si, vous voyez bien comment ça se passe, un shooting photo, faut aller vite, il y a plein de fringues, il y a plein de gosses, il y a la photographe, il y a la styliste qui dit alors, chop, 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 faut aller vite là, on a mis les fringues aux gosses? Ah, pas parfait, super, hein, c'est génial ça, hein, c'est parfait ça. Ah, le sweatshirt bleu avec la petite blonde aux yeux bleus, là, c'est harmonisation des couleurs, hein. Elle est jolie comme tout, elle a dis donc. Ça te fait quel âge, ma chérie, maintenant? 8 ans? Tu veux continuer le mannequinat? Ouais. Bah, faut commencer à se faire vomir, hein. Grosse vache. Il est où le petit noir? Le petit noir, il est où? Ah, le petit noir. Ah bah c'est parfait ça. Non, marron, vert, on dirait un After Eight. Harmonisation des couleurs, quoi. C'est parfait, dégage, vas-y. Il est où le petit frisé? Comment il s'appelle le petit frisé? Moshé. Ah, Moshé. Bah ça te va très bien les pyjamas rire, blanche et bleu. Hein. Pourquoi il pleure? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça te va très bien, ça t'en incite en plus. Non, tu veux pas le... Oh là là, les enfants quand ils pleurent, je supporte pas. Non, t'en fais pas, on va switcher. Hein, on va switcher avec la petite Asiate. Et où la petite Asiate? Chang, Camille, si tu veux, oui. Tu lui files le t-shirt qui t'allait bien au teint, là. Avec les étoiles jaunes, voilà. Ah là là, ils me saoulent déjà, les gamins. Arrêtez de courir partout. Tu sais quoi, ce midi, tu leur mets 2-3 Lexomil dans leur pompote. Voilà. Non, c'est vrai, faut arrêter de voir le mal partout. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, Internet sert aussi à des choses bien. Par exemple, moi, j'ai été très content de voir que Black Panther était aussi populaire sur les réseaux sociaux. Black Panther, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est génial, enfin un super-héros noir, enfin un super-héros qui me ressemble. C'est chouette ça. Hein. Bon, là où je trouve que ça a été un petit peu bizarre, c'est qu'il y a une assoce qui a fait une projection racisée de Black Panther à Paris. Enfin, ils sont réservés aux noirs, quoi. Racisés. Voilà. Oui, j'étais comme vous, je me suis dit, je vois pas très bien le... Non, parce que je comprends les réunions réservées à une partie de la population, tu vois, réservées aux femmes, réservées à des personnes noires, je peux comprendre, tu vois, si tu veux parler d'une souffrance que tu ressens vraiment, etc. Mais là, Black Panther, c'est pas un film sur l'esclavage. Non, bah, je pourrais comprendre, un film sur l'esclavage, t'as pas envie d'avoir un blanc au milieu qui se lève et qui fait « Oh, ça va, et c'est bon, hey, l'esclavage, t'étais il y a longtemps, hein !» En plus, ça vous a permis d'inventer le blues, hein. Tu vois? Non. Là, je peux comprendre. Mais Black Panther, c'est un film de super-héros. C'est-à-dire, les copains de Black Panther, c'est Hulk, un géant vert. C'est Iron Man, un mec qui vole dans une armure en fonte. C'est Rocket Raccoon, un raton laveur qui parle. C'est de la science-fiction. Hein, d'ailleurs, ça se passe au Wakanda. Hein, le Wakanda est un pays d'Afrique qui n'existe pas.
Hein, je vous le dis, d'ailleurs, s'il existait, ça fait longtemps qu'il aurait été pillé par Vincent Bolloré, donc... de base, donc... Non, mais faut arrêter, quoi, ça n'a aucun contexte géopolitique, le Wakanda. Et puis c'est quoi si on commence comme ça à faire des projections pour des communautés, hein, une projection de Mulan réservée aux Chinois? Projection d'Aladin réservée aux Arabes? Projection de La Vérité si je mens réservée aux grossistes, hein? Entrée sur liste de Schindler, naturellement, hein? Non mais... Alors après, j'ai dit ça sur les réseaux, alors là on m'a dit « Ouais, mais tu peux pas comprendre, t'es un mâle hétérosexuel blanc. » Ah bon? Non, je veux dire oui, mâle, oui, hétérosexuel, dans la limite des stocks disponibles. Blanc, je suis un peu métèque, en fait. Non, parce que j'ai fait les tests de National Geographic, là, vous savez? Vous savez les tests d'ADN? Bah en fait, tous les Européens, hein, les Blancs, on a des morceaux d'ADN de Néandertal dans notre ADN de Sapiens Sapiens. Voilà. Parce que l'homme moderne, le Sapiens Sapiens, a littéralement baisé le Néandertal. Hein, il a dit « Vas-y, bouge pas, c'est pour l'amélioration de l'espèce. Mais je suis un mec, on s'en fout, sois pas binaire. Hein » Et ça s'est passé aussi en Asie. Hein. Sauf qu'en Asie, l'homme moderne, il était sur l'homme de Denisova, voilà, qui est asiatique. Voilà. Donc les Asiatiques ont des morceaux d'ADN de Denisova. Et ben moi, il se trouve que j'ai des morceaux d'ADN de Denisova. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai le droit d'aller voir Mulan. Voilà. Ah, j'ai découvert un autre truc, on m'a dit, en fait, t'es AMAB. Voilà, je me suis dit, AMAB, ok, donc je suis un épicier bio maraîcher en circuit court. Mais alors non, pas du tout, non, c'est pas AMAP. AMAB, c'est Assigned Male at Birth. Voilà, pas beaucoup de bilingues, visiblement. En gros, ça veut dire que voilà, mon sexe et mon genre coïncidaient à ma naissance. Hein, voilà, la société est d'accord pour dire que je suis un homme parce que j'ai une bite. Voilà. Vous, madame, je vais pas avancer, hein. Vous êtes au premier rang, pas de bol. Mais il me semble que vous êtes AFAB, vous voyez? Assigned Female at Birth. Ça veut dire que la société est d'accord pour que vous soyez payé moins que moi. Prenez le concept. Bon, mauvais exemple, je suis intermittent, mais bon, vous avez compris l'idée. Et voilà, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ces catégories. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils les ont créées, pour pas être dedans. Ouais. Non, non, attention, moi, je... Non, non, non. Je ne me moque pas, je respecte. Non, parce que tout le monde est tombé à bras raccourcis sur le type là, qui était à la télé, vous savez, le barbu avec des lunettes, dans une émission, où quelqu'un lui a dit « Alors, monsieur, il a fait « Ah, bah alors, alors d'accord. Ah, bah alors, on m'appelle monsieur. » Ouais, ben moi je comprends. Je trouve ça dommage d'être limité à, voilà, à ce qu'on renvoie aux autres, tu vois, juste l'aspect physique. Bon, après, dans son cas, t'as envie de dire « donne des indices ». Mets une robe, fais l'Eurovision, tu vois, enfin, aide un peu les gens, quoi. Quand même, quand même. Non mais peut-être que, tu vois, moi je suis très ouvert là-dessus, ça se trouve, dans quelques années, ma propre fille viendra me voir et me dira « écoute, papa, arrête de dire que je suis une fille, je me sens non-binaire, non-cisgenre, aromantique, pansexuel et gender fluide. » Et moi je dirais « Chérie, on a fait les 11 vaccins ?» Non, je dirais pas ça, bien sûr que non. Non, je dirais « Écoute, ma chérie, point E, c'est, l'important c'est que tu sois heureux, point SE. Tu nous ramènes qui tu veux, peu importe le nombre de pattes. » Voilà, et... Ouais, c'est vraiment chou. Je suis ouvert comme ça, moi. Non, je trouve ça très bien que la société évolue, en fait. Je trouve ça très bien. C'est juste que je me dis, à force d'être comme ça, entre genré, non-genré, racisé, non-racisé, à force de vouloir blesser personne, je me demande si dans quelques années, on pourra encore jouer au qui-est. Oui, tu vois, genre, alors est-ce que il, elle, lui, cette personne, d'un sexe indéterminé, mais qui lui va très bien, et d'une couleur, d'une origine, dont elle peut être fière, sans aucune appropriation culturelle de ma part, considère que dans un cadre non hétéronormé, non oppressif, elle a le droit d'avoir une pilosité faciale. Est-ce qu'il a une moustache? Parce que. C'est vrai, ça devient compliqué. Après, en tant qu'homme, je comprends qu'on en veuille aux hommes. C'est vrai qu'on a un petit peu merdé depuis 15-20 000 ans.
Si, ça se sent hein, ces derniers temps, hashtag MeToo, hashtag balance ton porc, évidemment. Et tous les hommes se posent des questions, vraiment, tous. Moi-même, je m'en pose. Hein, je me dis, peut-être que j'ai merdé avec une fille, mais que je m'en rappelle pas, mais qu'elle s'en rappelle. Ensuite, je me dis, non, j'ai mis la dose de GHB quand même, donc... ça devrait aller. GHB, tout le monde voit ? Pour ceux qui voient pas, c'est l'équivalent drogue du quinquennat de François Hollande. Tu te rappelles de rien de précis, mais t'as un peu mal au cul. Tu vois le... Ouais. Ouais, je vois qu'on est tous d'accord. Non, mais c'est dur pour les femmes. Bien sûr, c'est très dur pour les femmes, le harcèlement de rue, les insultes, les incivilités. Hein. Par exemple, j'ai appris que « sale pute », c'est une incivilité. Moi, je pensais que c'était une insulte, mais non. Non, non. Incivilité, voilà. C'est un peu comme si je lâchais une caisse, mais par la bouche, quoi. Incivilité, voilà. On aime bien faire ça en France. Quand on ne peut pas changer la réalité, on change le mot. On minimise un peu. Par exemple, j'ai vu qu'en France, il y a 130 femmes qui meurent sous les coups de leur compagnon chaque année. Mais on n'appellera jamais ça un féminicide. Non, on appelle ça un crime passionnel. C'est plus joli. C'est comme si les crimes racistes, on appelait ça un crime coloré. C'est chatoyant, tu vois, genre, j'ai un caramel macchiato pour Mamadou. Paf, oh, arc-en-ciel, hein. Non, non, mais... Les chiffres sont terribles. Hein. Vous savez qu'en France, une femme se fait violer toutes les 40 minutes. En fréquence, c'est plus que le RERB. Ah, non. Ah, mais non, mais du coup, les pouvoirs publics savent plus comment réagir. Moi, j'ai vu Marlène Schiappa. J'aime bien Marlène Schiappa, elle est sympa. Hein, elle a dit que maintenant, on pourra verbaliser dès la première insulte et que les harceleurs, il y aura des stages pour eux. Des stages. Ouais, je suis comme vous, je... J'ai pas très bien compris l'idée. C'est un peu comme des stages de récupération de points de permis, j'imagine. Et tu pourras récupérer des points de dignité humaine. Tu vois, on leur mettra des slides, tu sais, avec des femmes dans la rue. Et ils feront alors, réponse A, je la traite de pute. Réponse B, je la traite de salope. Réponse C, je siffle. Réponse D, je ne fais rien. Putain, c'est pas facile. Ah, je récupérerai jamais mes points. Hein. Ah, et puis pour les femmes, au quotidien, c'est vraiment très dur. Parce que je vois bien, vous savez plus comment vous habiller. Hein, tu mets une jupe, tu te fais traiter de pute, tu mets un pantalon, tu te fais traiter de pute, tu mets rien, bon, tu cherches un peu. Quand même. Ouais, j'ai vu aussi qu'il y a des femmes en réaction, du coup, il y a des femmes qui se couvrent de plus en plus en espérant échapper au regard des hommes, tu vois. Hein, c'est une inspiration religieuse, ce qu'on appelle la mode pudique, tu vois. Et attention, se couvrir, c'est naturel. C'est pas de moi cette phrase. Hein, se couvrir, c'est naturel. C'est une phrase d'une prédicatrice islamiste égyptienne, Sheikha Safa. Elle a déclaré un jour « La nature respecte Dieu. Les bananes ne sont-elles pas couvertes ?» Oh, oh là. Et après, on se fait chier avec Spinoza, Voltaire, Omar Khayyam. Mais les bananes, les gars. Les bananes. Hein. Ça, c'est de la théologie, hein. Attends. Ouais. Je veux mettre personne mal à l'aise, hein. Chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux, y a pas de souci, voilà, m'en fous, hein. Tu te mets un foulard, tu mets pas un foulard, très bien. C'est juste que bon, voilà, moi je vous parle pas des petits foulards mignons à la Ménel, hein, les petits pashminas, moi je vous parle des vrais fashion faux pas. Hein, les gros trucs, hein, l'albaya, la burqa, le niqab, le jilbab, hein, y a un vaste choix pour ressembler à rien. Non, niveau mode, hein, je veux dire, niveau mode, parce que non, le jilbab, vous voyez ce que c'est d'ailleurs, le jilbab? Non, c'est marrant, mais il y en a en France. Hein. Le jilbab, comment vous dire, c'est ample évidemment. C'est un peu comme un costume d'écureuil volant, et le... avec un trou ici comme ça. Comment vous dire, on est à mi-chemin entre le baby gros et le télétubby en deuil. Vous voyez le. Non mais c'est pour ça que j'ai des problèmes avec le concept de mode pudique. Je vois pas trop où est la mode là-dedans. On dirait que la meuf elle a mis son t-shirt par la manche, tu vois. C'est pas... Non mais, chacun met ce qu'il veut, mais... Non mais ce qui m'a surpris c'est que H&M voulait faire un rayon mode pudique. Tu vois, entre deux sweatshirts, Coolest Monkeys, ils voulaient faire un rayon mode pudique. Et si tu veux t'acheter un foulard, achète-toi un foulard, y a pas de problème, on va pas faire un rayon exprès pour ça. Ou alors à ce moment-là, faut faire le même pour les hommes, évidemment.
Hein, des fringues pour hommes, on est sûr que t'attires pas le regard des femmes, qu'aucune femme a envie de coucher avec toi. On les remarques, ça existe déjà, ça s'appelle un survêt. Chico. Non, c'est vrai, le magasin PSG sur les champs, c'est mode pudique. Hein. Ah ouais, si, si. Hey, j'ai un maillot Neymar. Ouais, mais tu baisses pas. Voilà. Ah, ça va de pair. Hein. Et encore une fois, alors, si l'objectif c'est de ressembler à rien, va chez Damar. Ça s'appelle la mode vieux, ça marche très bien aussi. Hein. Ma grand-mère, personne voulait la baiser. Hein. Alors, vraiment, vraiment, moi j'ai pas de soucis, c'est vis-à-vis de Dieu, tout ça, là, tu te couvres. Mais si c'est vis-à-vis des hommes, c'est pas la solution. Franchement, les filles, le problème c'est pas vos cheveux, hein. C'est nos bites. C'est à nous d'être éduqués en fait. Hein. On n'est pas censé vous éjaculer dessus dès qu'on vous voit passer. Après, si c'est vraiment ça qui vous fait peur, achetez pas un gilbab, achetez un kawaii. Bon, alors, attention, parce que... Attention, toutes les religions monothéistes ont un gros souci avec les cheveux des femmes. Hein, si, chez les catholiques, le signe ostentatoire, c'est quoi? Oui, exactement. Le serre-tête, comme par hasard. Hein, on est d'accord, moi j'ai vu les manifs, un papa, une maman, un serre-tête. Hein, Ah ouais. C'est vrai. C'est... Ah, je vois, ça c'est manif pour tous. Non, ça, je les confonds tous. Manif pour tous, les autres c'est quoi? Manif pour t'es tout, qui, toi? Je confonds les fachos et les normaux, voilà, bref. Non, et chez les juifs, c'est pareil, chez les juifs ultra-orthodoxes, vous savez que les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux, elles non plus. Alors ce qu'elles font même des fois, c'est qu'elles se rasent la tête, elles se mettent une perruque par-dessus. Ouais. 6000 ans de sagesse juive pour en arriver là. Il fallait le vouloir quand même. Hein. Et alors je vous parle de ça parce que j'étais à une soirée l'autre soir, ce qui est normal le soir, vous me direz, et je suis tombé sur une femme qui avait une perruque. Alors je sais pas si elle était cancéreuse ou ultra-orthodoxe. Bah du coup, je lui ai posé la question. Et elle m'a dit non, en fait, j'ai eu un cancer, j'avais fait la moitié du chemin, je me suis converti. Voilà. Non, ouais, tout ça pour dire que moi, vraiment, la mode pudique, c'est pas trop mon... Voilà, moi, je suis plutôt mode topless. Moi, les femmes, aucun problème. Alors là, je les ai encore vus, là, devant Donald Trump. Ah non, les femmes, aucun problème. Hein. Non, parce que souvent, on dit, oui, les femmes, le message est pas clair. Si. Ah, si. Le message est très clair. En plus, c'est écrit gros. Et moi, ça m'arrange, je vous l'ai dit, je suis myope. Il est joli ce titre quand même, hein. Inflammable. Je veux dire, le titre du spectacle, il est bien, non? Moi, je trouve. Non, en fait, je trouve qu'il est raccord. Par rapport au fait que moi-même, je suis d'obédience judaïque, comme on dit, donc... Combustible, quoi. Donc voilà... Non, je veux dire, voilà, si vous avez jamais vu un juif, c'est ça. Voilà. Alors après, il y a toute une gamme, évidemment. Moi, j'ai pas toutes les options. Bien sûr. Je suis un peu la Dacia du judaïsme. Ouais. Ouais. Je vous rassure, j'ai les options de base. Hein. Ça, j'ai. Ah, j'ai plus, du coup. Mais c'est marrant, parce que l'autre fois, je me disais, finalement, ma bite, c'est comme le grand bleu. J'ai jamais vu la version longue. Ça alors, qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais ça va. Elle marche bien. Les gens sont contents. Et comment vous dire? Non, mais pour moi, je trouve que c'est un bon sujet, la circoncision. J'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Mais non, mais quand même, parce qu'on en parle souvent d'une façon détachée, tu sais, on dit c'est folklorique, c'est la tradition, enfin ça reste une mutilation quand même. C'est vrai.
Enfin, là-bas, ça reste un symbole. Hein. Chez les Juifs, c'est le symbole de l'alliance entre le peuple juif et l'Éternel, notre Dieu. Ouais, je suis d'accord avec vous. Comme symbole, on aurait pu prendre une boucle d'oreille, mais bon. On a préféré couper la bite des gosses, pourquoi pas hein. Pourquoi autre temps, autre mœurs, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est-à-dire que... Comment vous dire moi, disons que j'ai envie que ce soit une alliance solide, quand même. C'est-à-dire, en échange de mon prépuce, je veux des miles, tu vois Hein non, parce que, je dis ça parce que des fois le service après-vente chez les Juifs, c'est pas. Hein, entre 1939 et 1945, hein, quand t'appelais, il n'y avait personne. Alors, en même temps, c'est l'éternel, hein, c'est pas le permanent. Ouais, c'est un sujet un peu sensible, hein, je sais bien ça. C'est... Ouais, j'en parlais avec un cousin à moi qui est très croyant l'autre fois. Et je lui disais, comment tu fais pour continuer à croire en un Dieu qui a laissé faire Auschwitz? Et il m'a répondu un truc très intéressant, il m'a dit, c'est parce que Dieu n'a rien vu. Parce qu'à ce moment-là, il a cligné des yeux. C'est joli, non? C'est poétique. Cligner des yeux. En même temps, c'est normal avec toute cette fumée. Hein. Oh, ça va! Oh, mais vous en faites pas, on est habitués, nous les Juifs, ça fait quoi, 2000 ans que c'est la saison de la chasse hein? Ceci dit, en ce moment, c'est la saison de la chasse pour tout le monde, hein, hein? On fait moins les malins. Oh, camion. Non, mais ça va, ici, on risque rien, on n'est pas en terrasse. Ça. Plus, il y a des escaliers, à moins que le mec arrive en quad, genre à la Wattbar. Un peu de chance. Non mais je me réjouis pas des attentats bien sûr hein, évidemment mais non c'est juste je suis content qu'on soit tous dans la même merde quoi c'est... enfin dans la même merde c'est vrai que pour les Juifs en ce moment c'est la saison de la chasse est repartie hein. À Pittsburgh bam hein, quand même 11 morts à Pittsburgh hein. Le mec a dit je cite hein, les Juifs sont des fils de Satan non moi à la rigueur je pense que je suis le fils de mon oncle. Mais c'est tout, hein, vraiment. Et l'autre fois, j'étais à la synagogue, ça m'arrive pas très souvent, mais j'étais à la synagogue, et il y avait les consignes de sécurité à l'intérieur, et c'est flippant quand même, hein, les consignes de sécurité, il y avait marqué « Ne sortez pas avec une kippa sur la tête, ne sortez pas avec un châle de prière, ne sortez pas en groupe, en gros, ne sortez pas. Hein, ouais. Restez chez vous, faites des bons petits plats. Hein. Des boulettes, évidemment. Non mais c'est terrible parce que ce type à Pittsburgh, il était théoricien du complot évidemment, par exemple il pensait que le 11 septembre 2001 à New York, c'était un coup des juifs, déguisé en arabe. Vous savez le genre de type qui dit qu'en fait il n'y avait aucun juif dans les tours du World Trade Center. Parce qu'on les avait prévenus la veille. Je sais pas, un call center déjà, oui bonjour monsieur Goldberg. Oui ici Dominique Martin de Complot Juif Mondial. Ah, ben je vous appelle pour vous dire de ne pas aller au bureau demain. Voilà. Hein? Non, je ne peux pas vous dire pourquoi, non. Mais ça va être spectaculaire. Et ben de rien, monsieur Goldberg, et bonne soirée de la part de tout le monde ici à Complot Juif Mondial. Complot Juif Mondial, sionisme génitimal. Sionisme, hein, c'est cadeau. Sionisme, en fait, ça a toujours été une insulte, hein. Sioniste, d'ailleurs. Enfin, à la base, c'est une idéologie laïque de retour à la terre ancestrale des Juifs en Palestine qui s'inscrivait dans les nationalismes européens de la fin du 19e siècle, quand tous les peuples d'Europe, les Grecs, les Bulgares, les Serbes, les Polonais, etc., voulaient un État à eux, à la place d'ensembles multiethniques comme l'Empire ottoman ou l'Empire austro-hongrois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils nous parlaient de sa bite Après, je suis d'accord avec vous, hein. Aller s'installer en Palestine, au milieu des Arabes, j'ai envie de dire la boulette, hein, le falafel. Surtout qu'Israël a un petit peu dépassé au niveau du cadastre, on va pas se mentir. Hein. Si, ça se voit quand même, ça se voit un peu. Non mais c'est triste parce que souvent ça se passe mal entre les Juifs et les Arabes et ça a pas toujours été le cas. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Moi qui vous parle par exemple, je ne serais pas ici ce soir si mes grands-parents paternels n'avaient pas été sauvés par un arabe.
En 1940, le roi Mohamed V du Maroc. Ouais. Et en fait, il a reçu les émissaires de Vichy, une belle après-midi au palais, et il leur a dit à peu près ça. « Ah, bonjour mes amis, bienvenue à Rabat, que puis-je faire pour vous ?»« Eh bien en fait, votre Altesse, c'est nous qui pouvons faire quelque chose pour vous. Regardez, j'ai une liste, on vient vous débarrasser de vos juifs. » Il n'y a pas de juifs au Maroc. Bah, comment ça, il n'y a pas de juifs? Mais enfin, tous les Danos, c'est juif. Non, tous les Danos, c'est marocain. Bah, Siboni, c'est juif. Non, Siboni, c'est marocain. Bah, Cohen, c'est juif. Non, Cohen, c'est marocain. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des marocains. Ok? Enfin, votre Altesse, vous voyez bien de qui je parle quand même, les juifs, avec leurs petites serres crochues, là, comme des vélociraptors. Hein, avec leur nez comme qui? Bah comme vous du coup quoi. Bah on va peut-être y aller alors. Voilà c'est ça. Je vous l'accompagne pas, hein? Mes amitiés au maréchal Pita. Nardé dans mon nazi va. J'ai un peu romancé hein, mais globalement ça s'est passé comme ça. Non mais c'est vrai, moi je vous dis, moi je viens des années 80, hein, des années de tolérance, de respect, touche pas à mon pote. Pour vous dire à quel point, quand j'étais petit, mon meilleur ami était arabe. Ouais. Bon, c'était un ami imaginaire, mais quand même. Non mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai toujours été pour une solution à deux États au Proche-Orient, bien sûr. Hein. Mais là, plus le temps passe, plus... Non, plus je suis pour une solution à un État. Le Portugal. Ah, tu files tout au portugais, il coule une grosse dalle de béton sur la région, hein, plus de mosquées, plus de murs d'alimentation, tu mets des barbecues, des sardines grillées, tout le monde est content. Bah, tout le monde aime les sardines, non? Hein? Bon, il y a ceux qui me diraient que c'est facile de se moquer des portugais, je répondrais oui. Oui, c'est facile, mais c'est moins risqué qu'avec d'autres communautés. Hein. Non, c'est vrai, on n'a jamais vu un humoriste se faire traiter d'anti-portuguite. Par le Cliff. Le Cliff. Le comité lèche-boîte des inconditionnels du Fado. Le dîner du Cliff, c'est très très bien. Des acras de morue, c'est vraiment super. Hein. On n'a jamais vu un humoriste sortir de scène et se faire carreler la gueule par des Portugais intégristes. Hein, ça n'existe pas. Bah, il n'y a pas de mecs qui font « Tiens, prends des coups de trouelle, sale blasphémateur! Blasphème, blasphème! Manuel, va chercher la bétonneuse, non ?» Ils sont peut-être poilus, mais ils ont sens de l'humour. Hein? Ouais. Non, mais je dis ça parce que c'est pas le cas de tous les poilus. Hein. Ah bah, au hasard, prenez l'Arabie Saoudite. Au hasard. Là, ça rigole pas des masses en Arabie Saoudite. Hein. Moi, j'ai un copain qui vivait en France, il a dû retourner là-bas, un Saoudien, hein, il a dû retourner là-bas pour son boulot. Il m'a dit, je pète les plombs. Il a le droit de rien faire. En Arabie Saoudite, tu critiques le roi, on te coupe la tête. T'es pédé, on te coupe la tête. T'as volé un Mars, on te coupe la main. T'as trompé ta femme, on te. Et on n'est pas des barbares non plus. On n'est pas Daesh, hein, on te lapide. Ouais. Et ensuite on lapide ta maîtresse parce qu'elle a un peu cherché cette pute avec sa petite fente ouverte. Ah ouais, ouais, faut ce qu'il faut. Hein. Alors en France, ça fait des années qu'on minimise, c'est qu'on fait... Oui, c'est vrai que le wahhabisme, l'idéologie saoudienne, est une version un petit peu rigoriste de l'islam. Remettez-moi un peu de Chablis. Le Quai d'Orsay. Non, moi je suis désolé, hein. Un truc qui t'empêche de baiser comme tu veux et qui finit par te rendre complètement taré, j'appelle ça la syphilis. Pas le wahhabisme. Et d'ailleurs, vous savez que le wahhabisme et le djihadisme, c'est la même chose, hein. Ah ouais, c'est pareil, hein. Ça nous revient dessus d'ailleurs. Hein. Pendant des années, on leur a vendu des rafales, on leur achète du pétrole, mais ça nous revient dessus, le djihadisme, évidemment. T'as, vous rappelez le mec qui avait attaqué des flics à Notre-Dame? Il avait attaqué des flics à coups de marteau. Et ben, il se réclamait du wahhabisme. Vous vous rendez compte? C'est décevant quand même. Je veux dire, on leur vend des avions de chasse, ils nous attaquent à coups de marteau. Ça vous dégoûtait du commerce, hein? Alors on dit là, en ce moment, il y a des réformes en Arabie Saoudite, hein. Va dire ça aux journalistes. Jamal Khashoggi, le mec qui a été... Tu sais, il a été débité à la scie sauteuse dans l'ambassade saoudienne. Ils ont fait un saucisson halal, c'était pas mal, c'est vrai. Débité à la scie sauteuse, parce qu'il venait demander un passeport.
Non, on peut dire ce qu'on veut sur l'administration française, mais quand tu ressors de la préfecture, t'es entier quand même. Hein. Non, le wahhabisme, c'est, les dégâts sont énormes. Et c'est pour ça que j'aime pas trop, vous savez, quand après chaque attentat en France, t'as toujours les gens sur Twitter qui font « Alors là, attention, faut pas tout mélanger, le djihadisme n'a rien à voir avec l'islam. » Ou une poquito quand même. Je sais pas, les mecs, quand ils se font exploser, ils crient pas « Winter is coming !» Hein ? Je croyais qu'ils ont lu un autre bouquin. Enfin, lui ou pas lui d'ailleurs, c'est pas ça le problème, ça non plus j'aime pas. Quand les gens après les attentats font « Oui, tout est de la faute du Coran, c'est un ouvrage violent, est-ce que vous l'avez lu ? Pas étonnant que les mecs deviennent djihadistes. » Je vois pas le rapport, je veux dire, moi j'ai lu tout Harry Potter, je suis pas devenu sorcier. Non mais, faut faire un peu confiance à l'intelligence des gens, ce qui compte c'est l'interprétation. Hein, la wahhabisme est une mauvaise interprétation, voilà. Mais c'est vrai que, attends, déjà quand j'envoie un SMS à ma meuf, une fois sur deux, elle me comprend pas. Alors t'imagines un texte qui a quoi, 15 siècles ? Du coup, moi ce que je me suis dit, c'est que pour les textes sacrés, la Coran, Bible, Torah, ce qui serait pas mal, serait d'avoir des éditions numériques avec des emojis. Pour comprendre le mood, tu vois. Du genre, lapider les femmes adultères, smiley clin d'œil. Ah ! Aubergine, aubergine, c'était pour déconner, voilà. Moi, c'est pour aider le vivre ensemble hein, que je dis ça. Après, je sais bien qu'en Arabie Saoudite, il y a quand même des vraies réformes. C'est vrai, ça évolue. Il n'y a pas longtemps, ils ont autorisé les femmes à conduire. Et si les réformes continuent, bientôt, elles auront le droit de se garer. Ouais. Je me doute bien que dans l'eau, il y a des Saoudiens qui ont vraiment envie que ça change, qui de temps en temps enlèvent le collet de leur femme, la laissent courir dans le jardin, lui lancent un bâton, jouent avec elle, bien sûr. Bien sûr, je suis pas en train de vous dire que les wahhabites sont tous des nazis. Non, les nazis, ils savaient s'habiller. Hop, merci. J'adore les animaux, moi. Y a pas de transition. Hein. Bah, par applaudissement, qui aime les animaux ? Par applaudissement, vas-y. Okay. Maintenant, par applaudissement, qui mange des animaux ? Mais c'est les mêmes ! Ouais, c'est paradoxal, hein. Notre rapport aux animaux, il est quand même... C'est bizarre, c'est très culturel parce que depuis qu'on est petit, on les classe dans des cases qu'on ne met jamais en question. Il y a les animaux qu'on mange, il y a les animaux qu'on aime bien, il y a les lapins qui passent d'une catégorie à l'autre tout le temps, on ne sait pas pourquoi. C'est très bizarre. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai un chat. Voilà, enfin, je vis en coloc avec un chat. D'ailleurs, c'est lui qui a signé le bail. Hein. Et, il fait ce qu'il veut. Hein. Et ça ne viendrait pas l'idée de le manger, bien sûr. Par contre, si moi je meurs seul à la maison, au bout de 2-3 jours, avec tout ce que je picole, 70 kilos de terrino vin blanc, il est bon mon maître, hein, attends, il va pas se priver, c'est un fauve cet animal, c'est un fauve. Et en plus, on a pris le seul félin qui tue pour le plaisir. C'est vrai, hein, ça les amuse en fait de tuer eux. Ils ont mis des caméras à des chats, tout ce qu'ils croisent, ils le tuent. Enfin, tout ce qui est plus petit que eux, bien sûr, hein, parce que c'est des gros lâches. Ils ont fait disparaître des espèces entières depuis des siècles. Tu sais, les oiseaux, genre, miaou, les souris, miaou. Ils sont avec la tête, après, après, ils en ont marre, ils partent comme des princes. Saoudiens, naturellement. En fait, chez nous, on a des serial killers. À moustache. Des nazis. Mais des nazis trop choupis, oh oui. Avec la petite patoune, sig miaou, oh. Viens là, Göring, viens là. Ah. Simon Göring. Alors, oui, évitez d'appeler votre chat Göring. Je l'ai fait, je trouvais ça drôle. Il était gros et roux. Mais ensuite, je l'ai perdu, j'ai demandé au voisin de m'aider à le retrouver, mauvaise ambiance.
Donc vraiment... Non, les fêtes des voisins sont beaucoup moins sympas maintenant qu'on m'appelle le nazi du cinquième. Hein. Vraiment, c'est pas... Voilà. Mais j'aime vraiment mon chat. Vraiment, je suis attaché à lui. Ça fait 10 ans que je l'ai. Je le comprends. Je comprends son langage. Par exemple, quand il fait... Il y en a qui ont des chats. Ils font ça quand ils voient un oiseau derrière la vitre. Ils font tous ça. Ouais, t'en as un aussi, toi. Ouais. Puis après, ils font... Quand ils tombent par la fenêtre. Ouais. Bon, de toute façon, ils résistent à tous ces cons-là, donc... À un moment donné, ils meurent quand même, ils meurent. Et c'est là que moi, je vois que je suis spéciste. Vous voyez, pour moi, un homme et un animal, c'est pas la même chose. Et quand mon chat mourra, évidemment, je serai un peu triste. Hein. Mais enfin bon, j'en ferai pas une maladie non plus. Hein. Puis d'ailleurs, il faut bien dire que les animaux domestiques, à la différence des enfants, ont l'infinie politesse de mourir à 15 ans. Non, en fait, je voulais vous parler de ça parce que voilà, je trouve que c'est important de ne pas confondre animal et humain. Et donc, je voulais vous parler de zoophilie. Parce que j'ai vu un reportage l'autre fois sur Arte, comme quoi il y a des trucs sympas sur Arte. Parce qu'en Allemagne, ils viennent d'interdire la zoophilie. Voilà. Jusque-là, c'était toléré. Ils sont devenus très freestyle après 45. Et là, ils viennent de l'interdire. Et c'était assez triste parce qu'il y avait ce type qui disait « C'est horrible parce que j'aime vraiment mon chien m'aime vraiment, on est un vrai couple et on va devoir quitter le pays pour vivre cet amour au grand jour. » Voilà. Et en plus, il a dit « En plus, je sais que mon chien ne souffre pas puisque c'est lui qui me sodomise. » On apprenait des trucs et en fait, il y avait le chien derrière qui était sur le lit. Il avait pas l'air de souffrir des masses, tu vois. Il était genre... Il fumait après l'amour, normal, quoi. Et je me suis dit... D'ailleurs, très beau chien, d'ailleurs. Très beau chien, un très beau husky, des grands yeux bleus, beaucoup de charme. La beauté, on l'apprend où elle est. Hein. Et en fait, je me suis dit, ce chien ne souffre pas moralement non plus. Parce qu'il ne sait pas que ce qu'il fait, c'est contre nature. Personne ne lui a dit. Hein? À moins qu'il ait discuté avec un autre chien, bien sûr. Un soir, dans une allée, genre « Oh, ça va, t'as passé une bonne journée, toi ?»« Oh bah ouais, moi, normal, je suis allé au parc, j'ai mangé des croquettes, et toi ?»« Oh bah moi, normal aussi, j'ai enculé mon maître. » Hein? Mais on n'est pas censé faire ça. Ah bon, on n'est pas censé faire ça? Non. Moi, il me lance un bâton, je le ramène, et tu lui mets dans le cul. Non. Et j'ai vu une autre affaire. En France, cette fois-ci, il y a un mec, il a été condamné parce qu'il avait violé une poule. C'est pas ça qui m'a surpris, on va pas se mentir, nous les hommes, on peut se taper n'importe quoi. Non, qui a porté plainte? Ouais, d'accord, a priori, c'est pas la poule. Et ben, je me suis renseigné, en fait, c'est la femme du paysan qui a porté plainte contre lui. Et ça, ça m'a étonné pour le coup. Parce que je me suis dit, c'est le genre de truc, quand ça arrive, tu préfères que ça reste en famille. Tu prends sur toi. Tu fais, oh, Roger, ça pue de poule. Bon, en même temps, c'est un peu de ma faute, je me néglige un petit peu en ce moment. Ah, puis c'est la roussette, la plus belle du poulailler, bien sûr. Hein, hein. Mais non, elle a porté plainte dans un petit village où tout se sait. La preuve. Non, parce que ça se passait à Paris, c'était pas grave, ça. À Paris, on s'en fout, tu peux te faire sucer par ton tétiel, te mettre des huîtres dans le cul, on s'en branle. Bon, du moment que je fais pas trop de bruit après 23 heures, ça va, hein. Ça a couiné hier soir, hein, ça va. Voilà, c'est ça mon message, faut pas confondre les animaux et les humains. Il y a un message. Non, en fait, je veux dire surtout, il faut les respecter, les animaux, c'est bien, mais il faut surtout respecter ceux qu'on mange, en fait. Et ceux qu'on mange, on en élève pour les tuer 70 milliards par an. 70 milliards d'animaux terrestres, hein, sans compter les poissons, bien sûr. Hein. 70 milliards, c'est pas possible de continuer comme ça, en fait. La planète ne le supportera jamais. Alors j'en ai parlé avec une copine qui bosse pour une assoce écolo, très sympa, très intelligente, même si elle a un sarouel.
Et elle m'a dit, mais tu comprends, en fait, il faut 12 kilos de céréales pour produire 1 kilo de viande. Hein, ça veut dire que sur un champ d'un hectare de soja, hein, c'est ce qu'on leur donne, c'est du soja que nous, on ne peut pas manger. Hein. Et ben, le rendement du soja à l'hectare, c'est quoi? C'est 4 tonnes à l'hectare, 4000 kilos, ça fait 330 kilos de viande. Hein. Mais sur le même champ, tu pourrais produire 17 tonnes de pommes de terre, directement mangeables par les humains. 17 000 kilos contre 330. T'imagines le décalage pour un steak frites? J'étais comme vous, j'ai rien compris. Ouais, je pense qu'on est un peu pareil, visiblement. Plutôt un public littéraire ce soir. On est d'accord, un littéraire en France, ça veut pas dire que t'aimes lire, hein. Ça veut dire que tu sais pas compter. Ouais. Ouais. En gros, c'est intenable, on peut pas continuer comme ça. Hein. Et puis il y a la souffrance animale aussi. Hein. Moi j'ai vu les vidéos comme vous, j'imagine, de L214, les vidéos d'abattoirs inhumains. Hein. En même temps, abattoir inhumain, tu parles d'un scoop. Hein. Hein, c'est comme une Kardashian à poil. Hein, c'est pas une grosse Kardashian, non. C'est comme un Balkany malhonnête, là. Ah, les vieux comprennent mieux, là, je sens. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas un scoop, hein, un abattoir inhumain, évidemment. Enfin, inhumain, d'ailleurs. Aussi pour les gens qui y travaillent. Parce que tu peux pas passer ta journée à tuer des pivots à coups de marteau sans que ça finisse par te taper sur le système. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où ce soir? À l'Européen? T'as pas de babysitter, tu veux que je garde tes gosses? Ah bah y'a pas de soucis, hein! Bah, ils sont pas trop turbulents, hein, parce que moi j'aime pas quand les bestioles se débattent! Évidemment, les mecs deviennent sadiques avec les cadences infernales. Tu vois. Et vous voyez comme on est hypocrite en France. Ils ont fait un sondage, 90% des Français veulent continuer à manger de la viande, mais ils veulent pas que les animaux souffrent. Oh! En fait, on voudrait qu'on tue les petits veaux à coups de polochon, tu vois. Et genre, pa, 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 c'est bon, il dort! Finis-le! Hein? Ah non, ça marche pas comme ça, évidemment. Non, non, c'est pour ça que moi je suis. Je suis pas devenu végétarien. Hein. Je suis devenu flexitarien. Voilà, c'est un truc de bobo. Non, en gros, ça veut dire que je suis revenu à un régime carné des années 60. Je mange moins de viande, mais de meilleure qualité. Voilà. Je vais chez le boucher, hein, je fais « Excusez-moi, est-ce que ce petit veau a été égorgé en écoutant du Brahms ?»« Super, je vais le prendre. Combien ? Un rein ? Oh bah c'est pas cher. » Voilà. Donc je suis sous dialyse, mais je mange mieux. Voilà. C'est un choix, hein, c'est un choix. Après, je me rends bien compte que c'est pas ça qui va changer les choses dans l'immédiat, mais petit geste après petit geste. Évidemment, vous pouvez faire confiance au progrès technologique. Hein. Imaginez qu'on va inventer une viande artificielle, un peu comme la tronche des Bogdanov, ou... Bon, la nouveauté en ce moment, c'est de manger des steaks de grillons. Hein, voilà. Et quand il n'y aura plus de grillons, qu'est-ce qu'on mangera? Hein? On fera comme les gitans, on mangera nos morts. Si, 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 c'est prévu ça, hein, c'est prévu, c'est prévu. Non, moi je crois plus du tout à la technologie qui va trouver une solution miracle, pas du tout. Hein? Non. Non, la dernière fois que j'ai cru à la technologie, je vais vous dire quand c'était, je pense que c'était Internet. Les premiers temps d'Internet, hein. Quand on nous promettait des trucs, on nous disait « Tu verras, ce sera comme avoir une bibliothèque géante à domicile, ce sera un instrument de culture, Internet. Ah. » Par résultat des courses, moi j'étais sur mon ordi il y a quelques jours, là. J'ai eu droit à un pop-up, vous savez, une fenêtre surgissante, qui disait « Baisse des femmes moches ». Bon, j'étais sur un site de littérature comparée. J'étais sur un site de streaming, tout ça de normal, voilà. Et là, baisse des femmes moches. Et je me suis dit... Bon, déjà, je me suis dit non. Alors non, c'est pas sexiste, hashtag MeToo. C'est pas sexiste, c'est pas que je veux pas baiser des femmes moches, c'est que je veux pas baiser avec des femmes qui considèrent qu'elles sont moches, vous voyez. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a un minimum d'estime de soi. Demandez à ma copine, elle est pas top, mais elle y croit. Non, je me suis dit, à quel moment Internet est devenu ça? Baisse des femmes moches. C'était pas le projet à la base.
Non, vraiment, c'était pas le projet à la base, je vous assure. C'était vraiment un instrument de culture. Internet, ça a été créé par des scientifiques, des humanistes, des mecs qui bossaient à la NASA, au MIT, à Stanford University, qui se sont réunis, qui ont fait « Voilà, avec ce réseau, on va pouvoir échanger sur nos recherches et augmenter la somme des connaissances humaines et baiser les femmes moches !» Et vous êtes qui, vous? Eh, moi, je suis le vigile de l'université. Eh. J'ai vu de la lumière, ça a l'air bien, votre truc, là, pour baiser des femmes moches. Non, alors, c'est-à-dire que nous, en fait, on pensait plutôt à la physique quantique. Et baiser des femmes moches. Non, on pensait plutôt à la biologie moléculaire, quoi. Et baiser des femmes moches. Non, on pensait plutôt aux sciences dures. Ouais, ouais, dures comme map. Et ce mec-là a gagné. Ce mec-là a gagné, maintenant c'est ça Internet. Rendez-vous compte que chacun de nos smartphones a la capacité de calcul de tous les ordinateurs du programme Apollo réunis. Avec, on pourra envoyer des fusées sur la Lune. Et on envoie des photos de nos bites. On est nanin, il y a un truc qui va pas quand même. Et franchement, moi je m'inquiète, je me dis mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, tu vois? Bon, en même temps, j'ai lu des statistiques comme quoi apparemment le QI baisse constamment depuis 20 ans, à cause des perturbateurs endocriniens, des produits chimiques, tout ça. C'est bien fait quand même. Non, parce que non seulement on aura pourri la planète, mais nos petits enfants ils t'en rendront même pas compte. Enfin, personne ne peut dire vraiment de quoi sera fait le futur, mais par exemple Google. Le pouvoir de Google, personne ne l'avait prévu. Hein, c'est incroyable, Google, ils ont tellement d'argent, mais en même temps, ils ne payent pas d'impôts, c'est normal. Google, en fait, leur projet ultime, c'est le transhumanisme. C'est l'immortalité, en fait. Les fondateurs de Google veulent vivre éternellement. Ils pensent qu'on va pouvoir remplacer les pièces, tu vois, devenir des cyborgs, projeter sa conscience dans une machine, se faire cloner. Tu vois. Et ils disent que le premier humain qui va vivre 1000 ans est déjà né. Bon, j'espère que c'est pas ma petite nièce, parce que c'est une vraie connasse. Bon. Ceci dit, il faudra qu'elle ait du pognon, ma petite nièce, quand même. Hein, parce que changer les pièces, tout ça, ça sera pas pour tout le monde, évidemment. Enfin, forcément pour les gens riches. Mais imaginez un monde où seuls les riches peuvent vivre éternellement. Prenez une DeLorean, vous arrivez en l'an 3000, genre « Nom de Zeus, Bernard Arnault, vous êtes encore vivant ?» Non, Bernard Arnault, clone 238. « Ah d'accord, vous étiez transhumaniste. Bah et là, c'est François Ruffin. Il est transhumaniste lui aussi, le député insoumis. » Non, lui, il est empaillé. Merci patron. Non, de Zeus, Marty, il faut retourner dans le passé pour empêcher Google d'exister, doc. Non, pour acheter des actions. Alors, je suis pas imitateur non plus. Alors, je sais très bien qu'il est de bon ton de dire que oui, mais en fait, la technologie, ça nous aide au quotidien, ça facilite la vie, nanana. C'est vrai, j'ai vu plein de potes qui avaient la Nike Watch, par exemple. La Nike Watch. C'est bien parce que quand t'es en train de faire ton running, tu vois, crise cardiaque, et ben Nike, ils savent automatiquement que tu leur commanderas plus jamais de basket. C'est mieux pour eux, tu vois. Ah non, non, vraiment, vraiment je suis content de ne pas avoir d'enfants. Vraiment, je vous le dis, parce que... Attention, j'ai rien contre les enfants. Hein. J'ai beaucoup de blagues sur eux, mais j'ai rien contre les enfants. J'en connais. Bon, j'en ai dans mon entourage, je respecte leurs coutumes, leur mode de vie. Mais comment vous dire? Pour moi, les enfants, c'est un petit peu comme les migrants, vous voyez? C'est-à-dire, ça me touche, mais j'ai pas envie d'en avoir chez moi. Et non? Un peu comme tout le monde, finalement. Hein. Non, de toute façon, je pense que j'arrive à un âge où c'est trop tard pour avoir des enfants. Voilà. J'ai 45 ans, quand même. Ouais, je sais, je fais moins, c'est l'alcool. Mais je les ai. Et non, je sens bien que je vieillis, quoi. Il y a des petits détails, toi, des petits détails. Par exemple, j'ai mal aux pieds. On passe une bonne soirée, hein, franchement.
On apprend plein de trucs. Je suis allé chez le Toubib l'autre fois, pas pour ça, hein, je vous rassure, hein, j'ai une vie quand même. Je lui ai dit, j'ai mal au pied, il m'a dit, oui, vous commencez à faire de l'arthrose. Je fais quoi? Il m'a dit, oui, ça veut dire que vos os commencent à se rigidifier. J'ai fait, putain, 45 ans, la vie est une pute. Pile au moment où ma bite ramollit, mes pieds durcissent. Non mais je sens bien que je vieillis. Et franchement, je pense que plus j'attends pour avoir un enfant, plus la qualité baisse. On va pas se mentir, hein, là-dedans, c'est Emmaüs. Hein. Ils sont un peu abîmés par la vie, quoi. Ouais, où est-ce qu'on vous met le canapé? Ouais. Des petits spermatozoïdes avec des canapés, c'est mignon. Non, je veux dire, plus j'attends pour avoir un enfant, plus je risque d'avoir un enfant, entre guillemets. Un enfant différent. Un trisomique, quoi. Et en même temps, pourquoi pas? Et en même temps, pourquoi pas? Parce que je réfléchissais l'autre fois, je me disais, finalement, les trisomiques, ils sont gentils. Tous. Non, mais c'est vrai, génétiquement, ils sont programmés pour être gentils. Il n'y a pas de trisomique agressif. Il n'y a pas de gang de trisomiques dans les rues qui font « portefeuille, ça n'existe pas, tu vois ?» Non, mais réfléchissez. S'il n'y avait que des gens trisomiques sur Terre, ça irait sans doute beaucoup mieux. Il n'y aurait pas de guerre, pas de massacre, pas de réfugiés, pas d'électricité non plus, sans doute. Ni d'agriculture, ouais, c'est pas... En fait, je sais, voilà, faudrait un mix de trisomiques et d'autistes. Si, pour la partie invention, ingénierie, tout ça, comme ils sont bons en sciences. Puis ils ont une grande rectitude morale, les autistes, en plus, ils sont très... Tu vois, ils sont... Je vous sens pas super opé sur le projet européen. Ouais, remarquez, vous avez raison, peut-être que ça marcherait pas. Hein. Peut-être que même entre eux, il y aurait la guerre entre les deux communautés, tu sais. C'est genre, quel un. Non, pas quel un, pas quel un, pas quel un. Non, on sait pas. Non, mais en fait, je vais être franc. En fait, je pense que si je veux pas d'enfant, c'est parce que on est 7,5 milliards sur Terre. Ça va. On n'est pas une espèce en voie de disparition, tu vois. Non, mais c'est vrai, on n'est pas obligé d'en faire tous. En plus, il y a plein de gamins qui n'ont pas de parents. On pourrait faire une application de partage, genre Blablagnard, tu vois, je sais pas. C'est bizarre. Non, mais c'est bizarre parce que chacun veut le sien, tu vois. Ma copine, quand elle me dit je veux un bébé, je dis ok, mais un bébé dauphin. Une espèce qui en a vraiment besoin. Je lui dis, tu vas un peu morfler au niveau de la chatte avec la nageoire, mais... On l'appellera Flipper. Elle est pas prête. Non mais en fait, je sais que plein de gens pensent comme moi, hein, se rendent bien compte qu'on peut pas continuer à se reproduire comme ça, et le font quand même. Et je pense que parce qu'inconsciemment, c'est parce qu'ils se disent tous, ok, c'est la merde, ok, c'est la fin du monde, mais peut-être que c'est mon gamin qui va changer les choses. Peut-être que c'est mon gamin qui va trouver un moyen de dépolluer les océans, de fertiliser les déserts, de conquérir une autre planète. Non, ton gamin, il sera chef de projet. Ok? Comme tout le monde. Hein, il n'y a plus que ça maintenant, de toute façon. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'économie des bullshit jobs. Vous savez, les jobs à la con. Vous savez, les gens que vous croisez en soirée qui font ce que je fais dans la vie, je suis consultant. Ah. Ben je consulte, voilà. Ben je streamline le process, j'apporte des solutions business au niveau des meet-up, pendant les benchmarks. Et... Je sais pas, je vais au bureau le matin, j'entre le soir, je sais pas. J'ai dit à mes gosses que j'étais pompier, je sais pas. On en est là. Mais je suis allé sur LinkedIn l'autre fois pour rigoler. LinkedIn, tout le monde voit, le réseau professionnel des gens qui n'ont pas de réseau professionnel, qui arrêtent pas de s'inviter, genre fais partie de mon réseau. Non, toi, fais partie de mon réseau. Non, toi d'abord, fais partie de mon réseau. Ça sert à rien. Et ils ont tous des intitulés de poste complètement fous. J'ai vu que maintenant, il y a des Chief Happiness Officer. Chief Happiness Officer. C'est-à-dire c'est le mec qui apporte l'ambiance dans la boîte. On est d'accord qu'avant, ça s'appelait l'alcool.
Moi, ça me sidère parce que je vois tous ces intitulés postes et je me dis, c'est fou parce que moi, je me rappelle, mes parents avaient un vrai métier et leurs amis avaient des vrais métiers. On comprenait ce qu'ils faisaient et c'était utile en plus. Mes parents, ils avaient un copain médecin. Je pouvais l'appeler à 3h du matin en disant, ouais, mon gamin a triplé de volume, qu'est-ce que je fais? Donne-lui 3 cc de Soluprad, tu vois. Moi, si j'appelais maintenant, genre, oui, mon gamin a triplé de volume, qu'est-ce que je fais? Bah, moi, je suis community manager, donc. Ouais, je connais un graphiste qui peut faire en faire part d'essai demain. Ouais, on le sait tous, hein, ça, on le sait tous. Alors après, oui, évidemment, le progrès à notre service existe encore, bien sûr. Je sais que dans le monde entier, il y a des gens qui cherchent, hein, des vrais chercheurs dans des labos qui font « Ahmed, est-ce qu'on a le remède contre le cancer ?»« Non, toujours pas, mais franchement, je touche au but. Génial, continue. Michel, qu'est-ce que t'as trouvé ?»« J'ai trouvé ça, l'aquatube. L'aquatube, ah, génial. C'est un métro qui passera sous l'océan pour éviter de polluer comme les avions ?»« Non, c'est un rouleau de carton qui est au milieu du rouleau de têtu. » Et quand le rouleau de PQ est terminé, tu peux jeter l'aquatube directement dans la cuvette des toilettes. Yeah. Bon boulot. 15 ans de recherche chez Lotus quand même. 15 ans de recherche. Voilà où on en est. Hein, malgré la prise de conscience écologique, hein, l'occidental moyen est toujours trop feignasse pour aller jeter le carton dans le bac jaune à 3 mètres. Il faut qu'il le jette là où il fait caca. Dans l'eau potable. Hein. Alors excusez-moi de penser que c'est plié. C'est pour ça que je veux pas d'enfant. Un enfant de plus, c'est un adulte de trop. C'est une mouche sur la pile de merde qu'on bâtit patiemment depuis des siècles. Et c'est la fin du spectacle. S'il vous plaît, non, merci, c'est très gentil, mais c'est peut-être un peu sec comme fin. Ouais, en plus on m'a dit essaie de finir sur une note positive, donc là c'est un peu désigual, hein. Ouais, j'aurais peut-être 2-3 mots à vous dire quand même. La régie, Maxime, mets-nous Debussy. Ouais. Sur les derniers pêcheurs d'Afrique, sur mes 400 kilos de déchets, sur les poumons des asthmatiques, sur tous les groupes d'intérêt, j'écris ton nom. Sur les microparticules, sur l'eau potable qui s'évapore, sur Monsanto qui nous en... sur les méga-élevages de porcs, j'écris ton nom. Sur tout l'ivoire des éléphants, l'obsolescence programmée, sur le niveau des océans, sur toutes ces terres confisquées, j'écris ton nom. Sur les 27, la commission. Sur l'ONU, sur l'OMC. Sur les pénultièmes poissons et les baleines massacrées, j'écris ton nom. Sur tous les troubles endocriniens. Sur les « mais c'est bon pour l'emploi ». Sur le pétrole des Saoudiens, sur les « si c'est pas toi, c'est moi », j'écris ton nom. Sur les Rohingyas, Cambodgiens, les Hereros et les Tutsis, sur les Bosniaques, les Arméniens, les Ashkénazes et la Syrie, j'écris ton nom. Humanité.
Merci, merci beaucoup. Vraiment, merci, merci du fond du cœur d'avoir été ici ce soir pour cet exceptionnel. On peut remercier encore une fois d'abord l'Européen, bien sûr, d'avoir accueilli. On va remercier Olivia Moore à la mise en scène. Bravo! Maxime Richelme à la musique. Fred Droit aux effets lumineux, à la lumière, à la technique, etc. Et bien sûr mes producteurs, Bonaf Compagnie et Red Velvet. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir encore une fois. C'était un plaisir de jouer ici, vraiment. On dit souvent ça, nous les comiques, mais là c'était vrai. Voilà, donc si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas, vous connaissez les habitudes qu'on a maintenant, les habitudes modernes, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires sur les sites, des commentaires sympas, bien sûr. C'est pas la peine de me menacer de mort. Ça sert à rien, en plus je viens de changer d'appartement, personne ne me retrouvera. Donc, voilà, et puis je crois que c'est tout en fait. Donc bonne soirée et bonne chance.